Single time. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Euh, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est la dernière vidéo de l'année, c'est le dernier jour de l'année. Alors on est heureux, on est béni d'être en vie. Donc c'était une année remplie de défis, mais le Créateur nous garde toujours Il guide nos pas. Donc on continue de le prier, de le remercier, de le rendre gloire. Parce que seulement lui sait ce qu'il fait, seulement lui sait ce qu'il adviendra de ce que nous sommes. Alors, je suis ravie de vous apporter cette vidéo qui va contenir euh, des conseils qui sont basés sur ma propre expérience euh, que je tiens à partager avec vous. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et on passe à la suite de la vidéo. Mon tout premier conseil pour avoir des cheveux en santé, des cheveux volumineux, des cheveux longs. C'est d'établir une routine capillaire. Je ne cesse pas de le répéter, peu importe ce que vous faites, peu importe les produits que vous utilisez, peu importe l'huile que vous utilisez, il vous faut ça dans une routine capillaire. C'est-à-dire, établissez une routine de soins, le temps que vous allez prendre pour chérir vos cheveux, laver vos cheveux, faites des massages capillaires, etc. Mais établissez une routine capillaire. Vous savez que un jour de la semaine, c'est mon jour de soin, je l'établis et vous aurez des résultats définitifs et des résultats permanents. Dans la pousse des cheveux, dans euh, le soin des cheveux, il n'y a pas de résultats rapides, il n'y a que les efforts qui vont récompenser. Donc, établissez une routine capillaire. Mon deuxième conseil, c'est de vous fixer un objectif capillaire, c'est-à-dire. Il ne faut pas tout de suite vous penser ouais. que je veux des cheveux longs dans une semaine, je veux des cheveux longs dans deux semaines. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il vous faut de la patience, il vous faut de la persévérance et il vous faut aussi de la discipline parce que c'est comme ça que les cheveux poussent. Les cheveux sont comme des plantes. Vous prenez du temps pour arroser vos plantes, vous prenez du temps pour nourrir vos plantes. C'est la même chose avec les cheveux. Donc, il vous faut prendre du temps pour bien connaître vos cheveux et comme ça vous pouvez atteindre votre, votre objectif capillaire. Mon troisième conseil c'est l'alimentation et l'hydratation. Enfin, l'hydratation et l'alimentation, ils jouent un rôle majeur dans la pousse des cheveux. Peu importe les produits que vous utilisez pour l'extérieur, mais il faut aussi vous accentuer sur les choses que vous allez prendre de l'intérieur, c'est-à-dire augmenter la quantité d'eau que vous buvez, augmenter euh, euh, la discipline quand il s'agit de, de manger des fruits, de manger des légumes, etc. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une pousse et c'est ce qui va vraiment vous permettre de garder vos cheveux en santé parce que honnêtement, on me demande tout le temps, mais comment c'est possible pour toi d'avoir eu... D'avoir juste quatre ans depuis que tu as tout rasé et que tu as déjà les cheveux au bas du dos. Il n'y a rien, ce n'est pas de la magie. Je me suis juste donné du temps et j'ai appris à connaître mes cheveux. J'ai appris à chouchouter mes cheveux. J'ai appris à écouter le langage de mes cheveux. Euh, j'ai beaucoup de gens que je regarde et c'est sûr que je rêve d'avoir leur longueur ou bien je rêve d'avoir leur volume. Mais même quand j'essaie je, d'appliquer les conseils que ces personnes donnent, si mes cheveux ne, ne sont pas à l'aise, si mes cheveux n'aiment pas ces conseils-là, j'arrête tout de suite parce que je n'inflige je pas de souffrance inutile à mes cheveux. Donc, écoutez le langage de vos cheveux. Quatrième conseil qui aurait pu être mon tout premier conseil, mais j'ai laissé ça pour être quatrième parce que, <laughs> franchement, c'est mon conseil préféré, mais il y a tant d'étapes à aboutir. À ce conseil là je préfère garder et mettre au milieu mon quatrième conseil c'est d'inclure les herbes indiennes les poudres indiennes dans votre routine capillaire je vais jamais cesser de vous donner ce conseil là parce que les herbes indiennes ils ont changé ma vie et de la même façon qu'ils ont été miraculeux pour moi j'aurais aimé voir plein d'autres personnes avoir les mêmes résultats que moi même j'ai eu avec ces herbes là franchement c'est top pour les routines, c'est top pour les cheveux, c'est vraiment bien de les inclure dans votre routine capillaire et un petit, un petit plus, je vous dis que les cinq herbes que vous pouvez penser vous pouvez penser à ajouter dans votre routine capillaire c'est le henné, le grec, l'amla l'hibiscus et puis il y a, la, il y a les, la feuille de poudre de curry qui est excellent. donc c'est mes top 5 à moi il y a tant d'autres herbes que vous pouvez bien sûr inclure dans votre routine capillaire. Mais moi, mes top 5 que je ne m'en passe jamais, ils sont toujours présents dans ma routine. Chaque semaine, je fais en sorte que ces herbes sont présentes dans ma routine. Soit je les inclus dans mes thés de rinçage, soit je les inclus dans mes dans mes soins, c'est-à-dire mes masques, mes shampoings, etc. Mais ils sont toujours présents et je fais toujours la rotation tout au cours de l'année avec ces cinq poudres-là. Et comme bonus de poudre, je vous dis d'ajouter le Moringa qui a été un succès pour moi, un succès capillaire quand il s'agit de la pousse et du volume des cheveux. Franchement, c'était le top. Cette année n'a pas été facile. Il y a tant de facteurs qui ont pu déranger la pousse des cheveux, qui ont pu déranger le volume des cheveux. Donc, moi aussi, j'ai été quand même touchée par tous ces facteurs. Euh, on a quand même à quelques reprises euh, perdu euh, la motivation. Et donc, c'est pas facile. Donc, si je dois dire quelque chose pour mon bilan capillaire, quand même, ça a été positif à, je vais dire, 70%. Parce que on est humain. J'ai connu des jours où je voulais pas vraiment prendre soin de mes cheveux. Je voulais juste rester dans mon coin, ne pas les toucher, les laisser tranquilles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Quand je sens que je ne suis pas prête pour prendre soin de mes cheveux, pour les toucher ou bien pour les chouchouter, je les laisse tranquilles, sous, soit sous un bonnet satin, soit sous un, sous un foulard satin. Donc, je ne les touche pas. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Quand vous sentez que vous n'êtes pas prête, à prendre soin de vos cheveux. Il faut les laisser tranquilles, il ne faut pas les toucher parce que ça vous évite d'avoir de la casse inutile et ça vous évite aussi de perdre des cheveux euh, qui va encore mettre du temps à repousser. Ensuite, il y a une chose que je dois vous dire, priorisez les coiffures protectrices mais sans rajout parce que dans les rajouts, il y a tellement de produits chimiques dont vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui souffrent quand vous ajoutez des, des cheveux, des rajouts sur, sur vos têtes. Vous pouvez remarquer vous avez le cuir chevelu qui démange, vous avez beaucoup de pellicules, vous avez des boutons sur la tête. C'est le résultat de tous ces produits chimiques qui se cachent dans les rajouts. Donc faites attention avec les rajouts, peu importe comment vous pouvez vous coiffer avec vos cheveux, qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, ne vous inquiétez pas. Faites vos coiffures protectrices et continuez de prendre soin de vos cheveux, de les hydrater, de faire des massages capillaires, de gérer bien vos cheveux et ça va vous permettre vraiment de garder la longueur. Parce que les cheveux les cheveux poussent chaque jour, mais le problème que vous faites face, c'est le fait de ne pas retenir de la longueur. Parce que vos cheveux poussent euh, à des différents, c'est sûr mais le problème c'est que après que les cheveux ont poussé vous perdez ces cheveux soit pendant le démêlage soit pendant la coiffure ce qui m'amène au point suivant c'est-à-dire prioriser le démêlage au doigt ça a totalement totalement changé la vie de mes cheveux parce que mes cheveux ont tendance à tomber facilement donc j'ai littéralement Stopper l'utilisation du pain, euh, des brosses, etc. Ça, c'est pour moi. Je ne vais pas dire que ça va être pour vous aussi. Mais honnêtement, cette année, je peux contrôler que j'ai utilisé une brosse deux fois. La première fois, c'était il y a peut-être euh, huit mois de cela. Et la deuxième fois, c'était aujourd'hui parce que je voulais faire un démêlage complet. J'ai démêlé d'abord au doigt, ensuite, j'ai utilisé une brosse. Euh, pour démêler afin de de ne plus avoir des nœuds ni quoi que ce soit. Et j'ai aussi coupé mes pointes aujourd'hui. Donc, comme ça, je commence l'année propre, les cheveux propres, les cheveux sans fourche, etc. Mais je vous dis, prioriser le démêlage au doigt. Ça change vraiment, ça change. S'il y a une chose que je peux ajouter pour être sincère avec vous, il faut pas avoir peur d'apprendre. Il ne faut pas avoir peur de faire vos expériences capillaires. Peu importe ce qui peut arriver à quelqu'un d'autre avec un tel ou tel autre produit, ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour vous donner la chance à vos cheveux de tester quelque chose ou plusieurs choses. mais en même temps, faut pas faire d'excès parce que l'excès en tout nuit. Donc faites vos essais avec les poudres, avec les thés, etc. et regardez comment vos cheveux vont réagir et si c'est bien, vous gardez et si c'est pas bien, vous laissez tomber parce que le langage de nos cheveux, c'est le langage qui est le plus important à nos yeux. Donc faut savoir écouter nos cheveux. Ensuite, si vous avez une youtubeuse ou plusieurs youtubeuses Préféré. Vous pouvez piocher dans leur routine capillaire, regarder les conseils que les youtubeuses donnent et essayer si ça va pour vous. Ok, si ça ne va pas pour vous, ok aussi, on laisse tomber. Donc, je sais qu'on est plusieurs sur YouTube à vous donner plein de conseils, à vous donner plein de messages et ça peut paraître beaucoup, mais... Nous avons tous le même but, c'est le but de participer à l'évolution de notre communauté. Donc si vous avez quelque chose qui vous plaît chez moi, gardez ça. Si vous avez quelque chose qui vous plaît chez une autre, euh, chez Vivi, chez Mamisa, chez James et tant d'autres, si ça vous plaît, gardez ça. Si vous avez quelque chose qui vous plaît chez Vanessa ou chez euh, la Cité des Crépus garder ça aussi parce que on est toutes ici pour aider à faire grandir notre communauté, à donner plus de vision quand il s'agit de prendre soin de notre belle couronne. Donc on est là, on est ensemble et j'espère que l'année qui arrive, peu importe les défis que ça va apporter avec, on va être ensemble, on va rester soudés pour affronter nos buts, pour réaliser nos objectifs capillaires. Et je suis là, je vais toujours venir apporter les conseils nécessaires. Je vais partager ceux qui sont à ma connaissance et ce que je pense pourrait aider ma communauté. Je vais être toujours là pour partager. Et franchement, c'est comme, c'est une passion pour moi de venir avec une recette que je sais peut aider tant et tant d'autres euh, qui ont peut-être été dans ma situation parce que moi, je n'ai jamais eu de cheveux longs avant. Et aujourd'hui, mon rêve, réalisé donc mon but c'est de bien sûr partager et, et faire savoir que si moi je peux vous aussi vous pouvez il faut surtout pas lâcher et il faut surtout avancer dans la bonne direction et voilà c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que ces petits points ces petits conseils vont vous aider à voir encore plus clair pour vos cheveux et pour les soins que vous, que vous aimeriez procurer à votre belle couronne je vous souhaite une merveilleuse année nouvelle à vous, à votre famille, à tout votre entourage. Et je vous retrouve très bientôt. Si, le si. Tout-Puissant m'accorde la grâce. Je vous retrouve et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de tendresse. Et on est ensemble, on avance vers le futur. À bientôt.